écouvillon, c'est un long coton-tige, ou plus exactement une longue tige avec un petit bout de coton au bout qu'on vous enfonce dans la fosse nasale pour y prélever un peu de mucus. Il paraît que c'est pas très agréable, vous l'avez fait, non? Ça chatouille, non, je l'ai pas fait, mais ça chatouille. Tous les gens que vous faites, ils font « Ah !» C'est presque voilà. Douloureux, hein, bah, parce que hein. Au-dessus, il y a le cerveau. Donc. Mais ces couvillons, est-ce qu'ils servent? Est-ce qu'ils vont servir? Parce qu'on le sait, l'épidémie s'essouffle et que les tests sont moins nombreux que prévu. Ah oui, beaucoup moins nombreux que prévu, très loin des 700 000 par semaine envisagées, non pas cette fois faute de capacité, mais faute de malades ou de symptômes. 276 nouveaux cas signalés seulement hier dans le pays. Environ 10 000 tests réalisés chaque jour dans les laboratoires de ville, presque tous négatifs, mais les autorités de santé restent prudentes et rejettent l'idée que tous les voyants sont au vert à cause de l'Île-de-France. D'abord parce que la situation reste tendue dans les hôpitaux parisiens, 666 malades toujours en réanimation, 7200 hospitalisés. Ensuite parce que chaque jour apparaissent de nouveaux clusters, de nouveaux foyers infectieux, 25 en région parisienne depuis la fin du confinement, même si c'est sûrement le résultat d'un meilleur dépistage. Plus on cherche et plus on trouve. Mais enfin, peut-être parce qu'on ne cherche pas encore assez. C'est la crainte de l'angle mort et de la circulation silencieuse du virus. Depuis la semaine dernière, l'Agence régionale de santé d'Île-de-France et l'APHP ont lancé des opérations de tests dans des quartiers populaires très touchés par le Covid. Clichy, Gennevilliers, Sarcelles. Vous voyez, vous allez voir des images de Clichy-sous-Bois où une tente avait été dressée vendredi dans la cité du Chêne Pointu. C'est là que vous retrouvez l'écouvillon Le Moine, évidemment. Dépistage gratuit et sans rendez-vous. Vous voyez le barnum sur le trottoir de Clichy. Il suffisait de se présenter. Bilan de la journée, 109 tests réalisés, 8 cas positifs. 8 cas positifs sur 109, tous asymptomatique, c'est-à-dire sans le moindre signe de maladie. Alors ce n'est pas une généralité, les initiatives de ce genre vont se multiplier, mais c'est une indication que le virus est toujours là, et pour toutes ces raisons, il est possible, je dis bien possible, que l'Île-de-France soit la seule région à ne pas passer au vert demain, ou à ne pas passer complètement au vert. Plusieurs départements pourraient rester rouges à cause de toutes les raisons que je viens de dénoncer. Édouard Philippe le dira à 16h en dévoilant son plan final de déconfinement. La culture égyptienne se repose sur une croyance mystérieuse qui prend fermement racine dans l'inconnu. Les monuments la protégeaient. Les statues la symbolisaient. Les inscriptions secrètes l'expliquaient. Mais c'était la momie qui la personnifiait. Le magasin des embaumeurs était appelé la tente de purification. C'est là que le processus le plus élaboré de momification avait lieu. On enlevait aussi le cerveau, ce qui représentait la chose la plus difficile et celle pour laquelle les Égyptiens sont célèbres. Cela se faisait grâce à une incision faite sur le nez. Il pénétrait le nez et cassait l'os appelé ethmoïde qui se trouve derrière les yeux de façon à atteindre le cerveau. Ensuite, à l'aide d'un crochet glissé à l'intérieur, ils enlevaient petit à petit le cerveau. Les prêtres, vêtus de façon étrange, murmuraient des formules magiques.